Bonjour tout, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hyrule Warriors. Aujourd'hui nous allons découvrir le magnifique postier sur sa magnifique Epona du temps. Bah alors, c'est même pas une Epona du crépuscule. Ça n'existe pas, Epona du crépuscule, qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, visiblement ça a l'air d'une mission assez intéressante en fait. Mais avant de commencer cette vidéo, je disais ouais ça va être une mission banale, on va juste devoir faire un truc, mais... apparemment on doit empêcher les soldats de prendre des fées. Ok, visiblement moi j'ai... un truc là. Ah mince, non, d'accord, je suis pas censé aller là. Faut que j'aille chercher une fée, je suppose. Bon, je suis désolé, mais je sais pas du tout comment on utilise Epona. Hein. Enfin, pas du tout. Je veux dire, j'ai joué 2-3 fois avec, c'est tout. Bon, par contre, c'est quand même. Et alors, c'est que la troisième fois que je joue avec Midna, et voilà. Hein. Toi, tu sais bien jouer avec. On a sauvé une fée du feu. Enfin, je suppose que c'est toi, parce que moi, c'est pas moi. Hein. Bah, moi, je viens d'en sauver une, oui. Et en gros, il y a une particularité dans Epona en fait, c'est qu'elle fait des dégâts juste en marchant, enfin comme celle de Ocarina of Time en fait. Alors est-ce que tu penses que ce sera toujours le cas dans le prochain Zelda? Bah c'était toujours le cas en fait dans Twilight Princess, je dis ça genre c'est celle d'Ocarina of Time. Mais celle de Twilight Princess le faisait aussi, entre guillemets, donc je pense que oui ça le fera toujours. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Mais c'est pas grave, on a une bonne musique ici. J'aime bien la musique d'ici quand même. Oui, j'aime bien ce niveau. J'ai sauvé une fée! Voilà, on a deux fées! Je pense qu'à un moment ils vont poser des trucs. Allez, je vais libérer les chefs de poste. Non, franchement, j'aime beaucoup jouer avec cette Midna. Bah, déjà, Midna transformée, elle est assez agréable à jouer. Et là, franchement, c'est cool aussi. Coucou! Ah oui, non, ce serait bien que j'utilise une fée. Me frappez pas trop, s'il vous plaît. Que je vienne t'aider pour faire pop plus de monstres. Non, ça va aller, merci. Oh là, lui il est rouge là. Non, 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 eh, oh, t'embête pas. T'embête pas la Midna du futur. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé libérer le truc à gauche? Quel truc à gauche? Bah, le. Moi j'ai toujours été là, hein. Oh mince, ils veulent nous prendre notre base. En plus, il y a le chef avec nous. Enfin, il y a le chef de nous là-bas. Je sais pas c'est qui le chef de nous, mais. Wow! Il y a les textures qui ont bugué pendant une frame. J'ai tout vu. Isn't it beautiful? Allez, Melou! Je vais aller les sauver, parce que j'ai l'air d'avoir du mal. C'est Shake! Bon alors qu'est-ce que c'est? Shake c'est censé être le personnage que t'es censé jouer ici, mais c'est quand même Shake le chef, ok? Bah oui, hein. C'est Dark Shake, tu comprends pas? Oh bah ok, il est mort un coup, lui. Oh! Oh. C'est le coffre de Shake, mais comme on joue pas Shake. Soldat de sphère, pourquoi vous êtes triste, nos alliés là? C'est pas normal ça? Pourquoi vous êtes triste? Que... Ah mince, la place de la galerie, elle perd beaucoup là en fait de vie. Enfin, je sais pas si c'est. Ah non, notre base, c'est pas notre base, ok, c'est pas grave. Moi si je veux juste récupérer tout. Éliminer le chasseur de fées, il est où le chasseur de fées? Il est juste à ma gauche. Moi j'ai juste un chef de poste. On va essayer d'y aller. Allez la manette, tu peux y aller. Oui, bien. Le soldat de sphère, il est là. Hop, oh, boum, boum, boum. Boum, un boum. Cadeau là-bas ou c'est juste une arme? Mais si on appuie juste sur Y, en fait, on utilise des carottes d'Epona pour faire une espèce de charge devant nous. Comme ça, et hop, boum, la charge. En fait, ça fait rien du tout. Bah, si c'est vraiment bien, ouais. Voilà quoi. Voilà, j'ai sauvé le machin. Il y a des choses. Ah, il y a une. Ah, il y en a un autre en bas. Et puis voilà, ils ont pris notre fort. Mais je sais pas qui c'est qui tue nos alliés là-dedans. Mais c'est quand même pas les petits machins, c'est quand même pas les petits moblins. Bon, ils sont où les gens là? Vous êtes pas si nuls que ça quand même. C'est toi le chasseur de fées. Je sais que vous êtes pas géniaux, mais quand même. Bah, si, c'est difficile, hein, tu comprends pas. Bah non, je comprends pas. Je suis un postier, je suis Link postier. Et voilà. Le but c'est de livrer le courrier. Putain, mais il y a masse à dos de ton cheval. Bravo, on a pris le fort, ça lag un peu là quand même. Bon, faudrait que je récupère la fée. Il y a l'air d'avoir masse de monde ici, mais en réalité il y a personne à cause du mode multi, c'est magnifique. Ah, mais ils se dirigent tous vers la base là, non? Eh oh oh oh, on se calme. On se calme. Ouais, il y a une grosse concentration de monstres là-bas. Tu parles de où là? Là où je vais. Bah apparemment tu vois il y a un petit point à gauche, faudrait que tu y ailles. Juste à ta gauche. Bah dans le fort juste à ta gauche il y a un point. Oui je vois, mais je veux d'abord tuer le capitaine de raid qui... Ouais mais je crois que c'est la mission en fait, c'est ce qu'on doit faire. Pour de vrai. De tuer le capitaine de raid? Mais non, pas le capitaine de raid, on s'en fiche du capitaine de raid. Oui c'est ce que je me disais. Ah bah ça y est, j'ai augmenté notre humeur, c'est cool. Alors c'est quoi? C'est le soldat de sphère. Ah ouais, il faut le faire, sinon on va devoir poser une autre fée, et en fait, vu qu'on en a pas, on va devoir... Mais si on a des fées? On en a deux. Bah ouais, mais l'autre, on doit l'utiliser là-bas. Oui, mais en fait, on en avait trois, j'en ai déjà utilisé une. Ah, on en a encore deux. Et on en a encore deux. Bon, ça aurait pas été grave, alors, dans ce cas-là.
À moins que. Ah, à moins que dans la base il faille en utiliser une, non ça a pas l'air. Bon là c'est bon, je les ai tous tués, c'est bon. Non, je crois que je l'ai pas eu. Comment ça se fait? Je veux l'avoir quand même. Bon bah du coup vu que c'est toi qui as toutes les fées, moi je peux pas aller dans le. Dans la base, à utiliser le machin. Moi parler très bien français, je sais. Ah bah ça. Hein. On n'y peut rien, je suis Link après tout. On a jamais y aller alors. On a jamais dit que Link il savait bien parler. Un petit coup de canon dans la base. On fait le ménage avec Y pour être sûr. Allez, on fait un petit X. Parce que voilà. Voilà. Boum, c'est incroyable. Je vais aller libérer la base là-bas. Ouais, des cadeaux partout. Purée. Tellement pas d'ennemis dans cette dans ce fort que. Oh bah il y a des captains de raid là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin du monde, ils veulent envahir ce truc. Allez, fais, aide-nous. Je t'ai aidé, alors maintenant c'est à ton tour de nous aider. Ouais, pourquoi le moral des troupes? Attends, parce ah oui d'accord. Parce qu'on tue plein de méchants. Un coffre. Oh, ça doit être la clé du donjon. Mm. Ouais, tiens, tiens, viens là, toi. J'aime bah, bien attaquer avec des ponts ou des tours, je ne sais pas ce que c'est. Regarde, mon cheval, il ouvre la porte. Très original comme attaque, tu comprends pas? Non, je rigole, mon attaque préférée, c'est le gros canon. Ouais, le gros canon, il est sympa, en plus, il fait plein de dégâts et tout. Le pont, il est nul. Mm. Et moi, je le faisais tout le temps. Enfin, je le fais tout le temps, j'arrive pas le pont. Donc c'est pas l'attaque que je vais faire, mais... Du coup, je suis triste. Oh, et le pauvre, aussi, oh, le pauvre, oh, le pauvre. En plus, il a bien montré sa barre de faiblesse, je vais pouvoir l'enchaîner. Ah non, ah non, ah non. Ah, pourquoi, monsieur, je ne peux pas vous enchaîner, hein? J'ai même pas perdu de vie encore. Bon, faut pas que je parle trop vite, parce que sinon... Et voilà. Bon, bah... Je sais pas quand est-ce qu'on... Ah, parce qu'on devait le tuer, lui. C'était genre la mission, tu vois, il fallait tuer ce bonhomme. Je suppose qu'on peut aller abattre les méchants en bas, du coup. Je suppose. Enfin, ça c'est. Oh, une partie de l'armée de Volga avance. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est bien, c'est moi qui ai une clé, mais en fait, tu l'as aussi. Parce que voilà. Hein. Pour les faits, non, mais pour les clés, c'est pas grave. Oh, le canon. Oh, le canon, j'ai tout vu. J'ai tout détruit sur mon passage. Allez, je vais te tuer parce que voilà. Ça me fait plaisir. Eh, t'en voles pas. D'ailleurs, en fait, Epona. L'Epona de base, c'est l'Epona qu'on voit. Enfin, l'Epona niveau 1, c'est l'Epona qu'on voit dans le. Pas dans le jeu normal quand. Dans Hyrule Warrior, quand Link il arrive dans une cinématique avant de le combattre. L'Epona niveau 2, c'est Epona de, bah, de Twilight Princess. Du coup, je me balade. Bah, décidément, j'ai du mal à le tuer ce méchant. Et l'Epona niveau 3, du coup, c'est. Ah bah voilà. C'est l'Epona d'Ocarina of Time. Et du coup, moi je trouve un peu dommage le fait que. Bah, du coup, l'arme de Link là. Enfin, c'est l'arme de base de Link, quoi. C'est celle qu'il obtient au début du jeu de Hyrule Warrior. Ça, c'est l'épée niveau 1, quoi. Je pensais, j'aurais trouvé ça sympa qu'il monte au moins son arme aussi. Pas forcément que ça devienne la Master Sword à la fin, mais. Bah. Allez, je viens de t'aider. J'ai complètement raté Volga, bien joué. T'inquiète pas, je suis là. Pas de magie ici. J'ai jamais de magie ici. Lance de crépuscule. J'allais dire des enfers, mais non. Oh purée, Volga, comment il vole loin? Oh, le pauvre Volga. Allez, pleure pas, Volga, c'est pas grave. J'ai un angle de caméra magnifique grâce à Volga. Regarde, je le renvoie vers toi. Partie de tennis. Mes loups, ils vont pas assez loin. Il est passé où? Mais il s'en va dans sa base. Ok. Le traître. Moi, je vais te donner des coups de lance du crépuscule, tu vas voir. Bon, je suis désolé, mais c'est à cause du cheval, tu vois. Le cheval, comme je te dis, il fait des attaques en fait. Et... Oh bah, en fait, il y avait une barre de magie en fait. Au bout qu'il y a un cinquième de magie, c'est mieux. Allez, il faut tuer le dodongo maintenant. Avant qu'il nous détruise toute notre base. Du coup, on a une fée entre guillemets qui sert à rien. Bah, c'est au cas où, tu vois, ils te prennent le fort en fait avec le soldat de sphère. Parce que le soldat de sphère en fait, il pose une. Je peux pas avoir de la magie, j'aimerais bien utiliser la magie quand même pour montrer un peu la magie de Link, enfin d'Epona plutôt. J'essaie de pas tuer trop vite le dodongo. Oups, je voulais pas faire ça. Attends, là il y a de la magie. Je crois que je fais pas grand mal en fait, parce que comme je suis que niveau 71... Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra? Oh mince, faut pas rester dans le feu. Miam 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 miam. Vous pouvez arrêter de me frapper s'il vous plaît? C'est très intéressant, je vous fais une visite de comment ça s'appelle déjà? Bon, c'est pas écrit ici en fait. Bon, c'est pas grave. Des mines. Des mines, voilà, merci. Non, mais, je suis bête. Oh, le canon, il va jusque là. Allez, plus une barre de magie là. Oh là là, j'arrive pas à l'avoir. Hein. Pas de chance.
Quelle malchance. Donnez-moi une barre de magie, vous. Je sais que vous ne me donnez pas, mais c'est pas grave. Vous massacre. Ah, oh, j'ai pas sauté, attends. Non. Ce serait bien que je meure pas en faisant des bêtises. Non, mais il y a de la magie nulle part. Bah, tu sais, hein, c'est pas grave. Ah, ça y est, c'est bon, je suis magie. Je suis un magicien. Je suis magie, voilà. Oh! T'entends pas mon cheval qui galope là? Ah, mais si! Il arrive! Il est puissant, il est beau, il est fort! C'est Epona du temps! Je me suis trompé de ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas à mourir là? Il se fait attaquer par les petits machins. Enfin, du moins que c'est pas Shake qui meurt, c'est bon. Ouais. J'avoue qu'on l'a laissé tomber. Moi j'en ai rien à faire, je peux me transformer. Wouah, trop de magie! Ah mince, la chute de la place du roc est imminente. Je suppose que je vais. Ouais, c'est juste en bas, c'est pas grave. Bon, et puis comme d'habitude, Rododongo il a pas envie, c'est ça? Ah si, c'est bon. C'est bon, il est gentil le roi Dodongo aujourd'hui. Vous êtes content d'attaquer notre base? Ah mais tu l'avais déjà affaibli en fait. Mais oui. Il a rien compris le pauvre. Je voulais faire le coup spécial de Midona mais j'arrive pas à baisser sa barre. Bref, du coup, je suppose que... Ouais, bon. Epona, elle saute, elle a pas de problème. Et si tu veux, tu pourras lui montrer. Il nous reste encore un peu de vie. Bon, je vais essayer si on arrive à baisser sa barre. Enfin, moi, c'est pas moi qui pourrais le faire. Pomp. Bah, t'inquiète. Allez, là, il va ouvrir la bouche. Oui, il ouvre la bouche. Miam, 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 miam. Bah, faut juste que je recule après, quoi. Il y a combien de barres de trucs, là? Parce que là, il lui reste un quart, bientôt. Voilà, là, il reste un quart. Bah, je te laisse. Mais moi, je sais pas si je vais réussir à temps. Ah, si, c'est bon. Moi, du coup, je perds de la vie bêtement, parce que je vise toujours le machin. Wouah! Bravo, t'as réussi à battre le roi Dodongo! Incroyable! Il nous a donné quoi? Juste un matériau, voyons, qui est pas très généreux. Bah, écoute... Allez, on court après Midona. Midona qui court aussi vite qu'un cheval, hein, du coup. Ah, c'est Epona qui est trop lente. Oh bah forcément c'est Epona que tu insultes. Ah bah oui, Midona elle a rien à se reprocher, elle est trop bien. N'insulte pas Epona s'il te plaît. Elle a sauvé le monde. Deux fois. Mouais, je suis pas sûr que ça compte dans Ocarina. Bah t'as perdu trop de vie. Je suis désolée. Non, c'est pas vrai, j'en ai perdu. C'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine partie. Salut.